Ici Serge-Aimé Koulibaly. Fadjiri, pour moi, c'est quand un homme, un artiste, s'arrête et décide de faire un point sur le chemin parcouru, sur le chemin à parcourir, sur sa vie, sur l'avenir, sur la condition même d'homme, en sachant très bien que chaque pas qu'il va poser, chaque pas qu'il va faire en avant, c'est un pas inconnu. C'est-à-dire qu'on pose le pied, mais on sait qu'on veut avancer, mais on ne sait pas là où on pose le pied, si ça va glisser, si ça va amener un autre pas ou tu vas chuter. C'est une réflexion qui est aussi un parallèle avec un tableau de Francesco Goya, Trece de Mayo, que j'ai découvert il y a quelques mois au musée du Prado. Et cet homme-là qui est arrêté, fier, qui regarde devant, qui sait que voilà, qu'il y a des gens qui sont en train de le fusiller, mais tu as l'impression que cet homme-là, il va vivre éternellement, quoi, qu'il ne va jamais chuter comme les autres qui ont chuté à côté de lui. Et c'est pour cela, avec Catherine Cosme, la scénographe, et bien sûr la dramaturge et assistante Sarah Van Derick, on a imaginé un plateau qui est comme un sol mouvant. Et quand on pose le pied, on ne sait pas s'il y a quelque chose qui va t'avaler ou pas. C'est-à-dire qu'on ne sait pas. Qu'il y a un jeu d'équilibre et de déséquilibre. Et une recherche sur une gestuelle qui est basée sur l'instinct, l'envie d'exister, sur une urgence. En tout cas, voilà, je crois qu'il faudra plutôt venir découvrir parce que c'est pas évident de parler d'une expérience de vie en fait, hein. C'est même si nous sommes sur un plateau et qu'on l'emballe avec une forme, une scénographie, une déchirure qu'on met sur le plateau et on essaye d'explorer, d'aller le plus loin possible, enfin, juste d'exister avec cette déchirure-là.